Le thème de l'exposition, c'est le raku. Pour arriver à maîtriser cette technique du raku, j'ai commencé par faire des essais sur des pièces anciennes qui étaient restées en rade. En particulier, j'avais pas mal de petites têtes de 12-15 cm d'une série faite au tout début que j'avais appelée les petites gueules d'amour. C'est la première, et je ne savais pas trop, avec le pulvérisateur, la charge qu'il fallait mettre. Et donc j'étais prudent, j'ai mis une charge assez minime, et ça a donné cet effet un peu granité, sauf les endroits où j'ai un peu plus chargé, ici et là, où ça a commencé à donner des effets de brillance. C'est une des plus anciennes, je dirais 82, 83, quelque chose comme ça, parmi les toutes premières. Et puis elle était restée brute. Et donc voilà les essais donc avec les émaux. J'ai pris un émail qui normalement devait donner des effets dorés. Et ben voilà, je ne l'ai pas passé partout. Là où tu ne passes pas d'émail, tu as le noir de fumée qui s'incruste. Et c'est un peu la caractéristique de cette technique du raccourci.